apporte avec elle un bouquet de muguet, une branche de lilas. Elle apporte de l'encens pour parfumer le vent. Quand Rose va chez son fils Jean, quand Rose va chez son fils, elle lui parle de son pays. Elle entend les soldats piétiner le jardin et les pleurs de son chien demeurés attachés devant la maison désertée. Fille et femme d'immigrants de Belgrade à Paris, du Maroc au Liban, de visa en visa, Rose va. Elle s'affaire à la vie dans son humble royaume où règnent les icônes dans l'odeur des bougies. Rose prie. Chez son fils, elle invente des nouvelles, des lettres de Yachi ou de Constanza. Elle raconte la naissance ou la mort d'un parent. Quand Rose va chez son fils Jean, fille et femme d'immigrants, tout ce qu'elle a à ce jour, c'est un lopin de terre dans un grand cimetière où son fils endormi, Rose prie. Elle chante, elle pleure, et chaque fois elle y meurt. Elle apporte de l'encens, elle parfume le vent pour son fils Jean, mort à 20 ans.